Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update, enfin la première partie je pense, parce que sinon ça va durer beaucoup trop long, trop longtemps. On se retrouve pour l'update de ma collection de livres de coloriage, parce que il est temps que je vous fasse un petit bilan. S'il y a certains livres que vous aviez vus dans ma collection et que vous ne les voyez pas maintenant, c'est que ils sont partis vers l'infini et au-delà. Mais bon, ils sont partis dans une maison où ils seront peut-être enfin entamés. Enfin bon, bref, on est parti parce que il y en a quand même pas mal. Par quelle pile je commence? C'est quelque chose, hein. Donc, hop, on va prendre le plus grand, le plus imposant. Donc c'est le portrait de Star. Ça rentre pas dans le champ. Voilà. Il est énorme. Et dans celui-ci, j'en ai fait juste deux, je crois. Ouais, j'ai fait. Et d'ailleurs, là, je m'étais plantée, j'avais fait le foncé. J'avais fait à l'inverse, en fait. J'avais fait le foncé à la place du clair. Et le deuxième, voilà. Donc, ça serait bien que j'y retourne dans celui-ci. Voilà, ça serait bien. Parce que bon, c'est quand même vachement détente. Je le fais au feutre, je ne me prends pas la tête. Mais voilà, j'en ai fait que deux. Mais je l'aime bien, donc je le garde celui-ci. Je sais pas s'il est encore trouvable. De toute manière, j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. S'il n'y a pas le lien, c'est que j'ai pas trouvé. Voilà. Mais après, Vinted peut vous aider. Je vais rezoomer. Alors, ensuite, j'ai le petit bête, le... Voilà. Hein ? Je vais pas... Non, je vais vous épargner ça. Donc, de Rita Derman, dans celui-ci. Je sais pas si je vous montre les colos à chaque fois. Parce que je sais pas si je vous fais une vidéo à part avec juste les colos que j'ai fait dedans. Mais ah, puis en plus celui-là je l'avais acheté d'occasion et c'est pas moi qui l'ai fait ce colo. Je sais même pas si j'en ai fait un dans celui-là. Je crois que j'en ai pas fait. Non, j'en ai pas fait. Je l'ai toujours pas entamé. Voilà. Donc voilà, honte sur moi. Hein, donc encore un livre à entamer. Parce que je n'y suis pas allée. Voilà. Donc je sais pas si je vais le ranger tout de suite. Parce que je vais peut-être vous faire la vidéo avec les Disney après. Ça dépendra du temps qui me reste. Mais voilà. Donc pour Rita Derman, j'ai celui-ci et j'ai le 4 saisons. Je pense que c'est ça la traduction, je sais pas trop. Celui-ci, j'ai fait la botte là à la fin. J'avais fait voilà, comme calendrier de l'avant. Hop. Et je crois que j'en avais fait un autre quand même. J'avais fait avec les macarons Fred Fenner. Voilà. J'avais fait celui-ci aussi. Mais ouais, j'ai du mal avec Rita Derman. Autant je trouve ça super joli, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à la mettre dedans. Et une fois que j'essaye de colo, j'ai du mal. Mais vraiment, je dois me forcer. Et j'ai aussi le Europa où là je me suis forcée à faire ça. Voilà, j'ai eu du mal, j'arrivais pas. Donc il y a juste ça de fait dans celui-là. Mais bon, il est entamé. Je vous entends là, je vous... Hein. Ensuite, Maria Troll. J'ai le Twilight Garden. Aussi, je peux vous montrer. J'ai fait quoi dedans? Pareil, celui-ci, je l'avais acheté d'occasion. Donc ça, c'est celui que j'ai fait dedans. Voilà, j'avais suivi une color palette. Et ça, c'est ce qui était déjà fait dedans. Et puis ça a bien bavé en face, donc je sais même pas ce que c'est comme matériel, mais voilà. Donc il y a juste ça de fait dedans. Bah voilà, Maria Troll. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et j'ai aussi de Maria Troll, j'ai aussi le Luna. Celui-ci, j'ai fait la double page de la couverture. Qui m'avait pris une blinde, mais bon, je l'avais acheté pour ça en fait, donc je la trouvais trop trop belle, donc je l'ai faite. Voilà, la double page, et j'en ai un autre de fait, mais vu que c'est pour un challenge où ça n'a pas encore été divulgué, je peux pas vous le montrer, mais il y en a un deuxième de fait dedans. Voilà pour le Luna. Ensuite, on va passer à Camilla Derrico. Donc j'ai le Cute and Creepy.
où j'ai fait, j'en ai fait plusieurs dans celui-ci, même si je n'en ai pas fait cette année. Enfin, l'année dernière, en 2022, j'en ai pas fait. Donc, j'avais ma double page zombie. Voilà. J'ai fait le Halloween. J'ai fait un dragon, un dragonnet. Voilà, le fond, c'était juste l'horreur. Ça a bavé de partout. Et je ne sais plus si j'en ai fait d'autres. Je vous fais bouger en même temps. Vous kiffez? Ah ouais, vous kiffez. Bon, bah, j'ai juste ça de fait dedans. Bah oui. Mais il faudrait que j'y retourne. Ensuite, toujours chez Camilla Derico, j'ai le pop manga Mermaid and Other Sea Creatures avec l'accent, où j'ai fait cette double page. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Il faudrait que j'y retourne pour m'entraîner à faire des fonds. Même si le papier est pourrave. Voilà. Ensuite, on va passer à Kirby d'amour. Kirby, où j'ai le Mythomorphia, mais du coup c'est le deuxième que j'ai acheté parce que je l'avais en version plume et c'était du caca. Du coup j'ai recollé ce que j'avais fait. Double page de l'enfer, une partie, une des pages est faite avec les Caster Lart et une deuxième page est faite avec les Brutfeuner, si je ne m'abuse. Ensuite, du coup j'ai recollé. Non, c'est pas très jojo, mais tant pis. Celui-ci est fait. Ensuite, on a mon orque Barbie. Celui-ci. Il faudrait que j'y retourne. J'aimerais bien avancer encore plus. Ma licorne. Je crois que c'est tout pour celui-ci. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien y retourner. Mais là, j'ai pas forcément le temps. Voilà. Je vais me faire mal, sérieusement. Ensuite, dans le World Within Worlds. Ouais, voilà quoi. Le tracker qui doit pas être à jour. Hein. On a la tortue. La tortue de l'horreur. Après, on a la boule. J'avais tenté un effet marbre, mais c'est pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas comme une dingue quoi. Hein. Parfait depuis là. Non. Pareil, celui-là, j'aimerais bien retourner, je l'aime bien. Celui-ci, que j'ai adoré faire. Et on a les flamants roses où j'avais suivi un color along sur YouTube. Voilà. Et mes licornes. Voilà. Je crois c'est tout. Oui. Et bien entendu, j'ai toujours pas protégé mes. J'ai pas mis de spray ou quoi que ce soit sur mes colos. Hein. Bien entendu. Elle tente de rien cette meuf. Ensuite dans le. Ah je sais plus. World is in World, après c'est le. Je sais plus. Je sais plus la traduction de celui-ci. Fragile World. Ah ça y est, ça me revient. Oh là là, il y avait un trou là. Donc dans celui-ci, j'ai fait la chauve-souris. La tortue. Le panda roux. J'aimerais bien faire celle-là pour faire une double page. Et je sais plus si. Ici. Et ceci. Voilà. C'est tout pour celui-ci. Tchouk. Voilà pour les Kirby. Ensuite, celui que je vous montre à chaque pack, le cercle de la vie. Et bien entendu, il n'y en a toujours qu'un de fait dedans. Voilà, le seul et l'unique de mon lit. Voilà. J'espère que ça change prochainement, j'aimerais bien. On va peut-être pas le ranger celui-là. On va peut-être se le laisser sous le coude, au cas où. Hein. Ensuite... J'allais dire c'est le dernier, mais non, c'est loin de là. C'est le dernier de la première pile. Donc on a le Hey Paul. Donc c'est Forest Girl, je crois que c'est le premier celui-là. Où j'en ai fait un. Là, je fais celui-ci. Je crois que c'est le seul. Je voulais y retourner. Et
Je n'y suis pas allée. Voilà. Non, non, je n'y suis pas. Non, j'y suis pas retournée. Hop. Ensuite, alors, on passe à Anastasia Ellie Koldareva. J'ai le Nocturne. J'en ai un deuxième qui devrait arriver prochainement, mais il faut juste que je me décide à aller le chercher. Il le dit, si jamais tu regardes la vidéo, un jour viendra, je viendrai le chercher, promis. Mais voilà, c'est, j'ai le temps de rien. Je sais pas comment font les familles nombreuses, ou ne serait-ce que les familles normales, mais moi je n'y arrive pas. Je comprends pas comment vous faites, si vous avez votre linge à repasser, voilà. Moi je n'arrive à quasiment pas me retrouver seule de temps en temps, c'est compliqué, voilà. Là d'ailleurs, faut que je regarde l'heure parce que faut pas que j'oublie mon petit à l'école. Hein, voilà. Donc dans celui-ci, j'en ai fait un. J'ai fait celui-ci. Voilà. Ouh, ça brille, ouh, ça brille, ouh, ça brille. Voilà. Hop, j'ai rangé où celui-ci? Je sais pas trop. C'est un bazar monstre chez moi. Je vous explique même pas. Ensuite, on a un Nice Little Town Valentine's Day. Et bah il est vierge. Est-ce que j'ai fait une photocopie ou quoi pour en faire un? Je crois pas. C'était pas dans celui-là que j'en avais. Je crois pas. Non, j'ai pas fait. Non, non. Il est vierge. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bientôt. Donc c'est de Tatiana Bogema. Ensuite, nous avons le Mermaid Fairies and Other Girl of Whimsy de Annaline. Ça a été un de mes premiers livres de colo, ça je crois. Ou oui, elle a eu un coup de chaud. Voilà. Mais bon, c'est là que j'avais fait mon premier effet bulle. Voilà. Et j'avais colorié un peu. Ça c'est très vieux. Ça c'est très très vieux. Voilà. Donc, j'ai juste fait elle. J'ai fait. Ah, puis vous avez les colos en double, il me semble, dans celui-ci, ou je sais plus. J'avais fait celle-ci. Et c'est tout. Alors que c'est mon plus vieux livre, ça craint. Enfin, un de mes plus vieux livres, parce que mon les plus vieux, c'est les Disney. Ah, celle-ci aussi. Elle aussi, elle a bien bronzé. Ouais, c'était la seule. Ensuite, on va arriver dans les Deria comment ça se dit? Karkirzoy. Ah non, j'en ai oublié un d'Annaline. Non, non. J'ai aussi celui-ci d'Annaline. Le A Whimsy Girl Christmas. Où j'en ai fait un. J'en ai fait un. Voilà, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'était. Voilà, c'est pas moi. C'était de l'occasion. Du coup, voilà. Mais bon, ils sont en double. Donc, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'avais fait celui-ci. Donc, le derrière. Je sais plus où j'ai posé mes livres. Ah, si, ça va. Alors, on a le Color & Chic Coloring Book 2. Et là, c'est le Line Art. Les autres, ça sera du Kreskel. Et il me manque le 1. Je l'ai toujours pas acheté. Mais voilà, j'ai celui-ci. Où, bah, vous verrez pas de toute manière les colos de fées parce que je les photocopie. Voilà, je scanne et je fais sur PDF. Mais j'ai fait celui-ci, c'est sûr. Dans celui-là, je crois que c'est peut-être le seul. Mais j'en ai déjà fait une dedans, c'est sûr. Ensuite, on a le Color Ocean Mermaid, donc le 3. Et dans celui-ci, est-ce que j'en ai fait une? Je me souviens pas en avoir fait. Je les trouve magnifiques, mais voilà, faut déjà que je les scanne. Déjà, ça me prend du temps. Et voilà. Mais je les ai, je pense que je les ai déjà sur le PC. Je pense que je les ai. Donc, voilà, celui-ci. Il faudrait que je m'en mette un peu du derrière sur mes packs. J'y pense pas forcément. Le Gorgeous Fantasy, donc le 4. Dans celui-ci, je crois que j'en ai fait un.
J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Mais c'est dans mes PDF. Je n'ai pas testé encore colorier dans ce, sur ce papier. Ensuite, on a le 5, le From Halloween to Christmas, que je devais commencer voilà, pour Halloween, mais je n'y suis pas allée. Voilà, voilà, voilà. Pourtant, je le trouve trop choupi, trop mignon. Mais voilà. Je ne l'ai pas entamé. Ensuite, on a le 6, le Cuteness Overload. Et celui-ci non plus, je ne l'ai pas commencé. Ouais, il va falloir que je m'en mette au moins une par mois. Ça pourrait être bien, de petites poupées comme ça. Vu que j'ai pas mal de livres, ça serait bien. Hop. Ensuite, on a le 7, le Fun Fantasy. Et pareil, il n'a pas été entamé. Mais en même temps, elle sort des livres trop rapidement. Voilà, j'ai pas le temps d'entamer que ça sort. La meuf, elle se trouve des excuses. Mais voilà, il y a celui-ci aussi. Et bah dernièrement, voilà, il y a celui-ci qui est sorti. Donc le 8. Donc toujours en Grayscale. Mais ces livres, vous les trouvez aussi bien en line art que Grayscale. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas payé Amazon, quoi. Mais voilà. Le genre de petite poupée que vous avez à l'intérieur. Et moi, j'aime trop. C'est trop mignon. Mais voilà, faut que je le mette en couleur. Ah, trop. Oh là là, que c'est beau. Ah. Donc voilà, ça c'est le petit dernier qui est arrivé. Ensuite, on a du Teresa Goodrich. Je crois que c'est celui-là qui arrive en premier. Je sais pas. Enfin, c'est du Creative Event. Donc j'ai le Country Christmas. Dans celui-ci, j'en ai fait un, mais pareil, bah, du coup, je l'ai détaché et je l'ai. Je l'ai fait dessus par contre, je l'ai détaché et je l'ai fait. Mais voilà, il y en a juste un de fait dans celui-ci et. Non, c'est pas celui-là. De toute façon, je peux pas vous le montrer, je suis bête. Il est fait, hein. Mais j'en ai fait un dans celui-ci, promis juré. Ensuite, j'ai le Enchanted. Oh là là, je suis désolée, hein. Enchanted Christmas. Ou celui-ci, bah, je n'ai rien fait, voilà. Mais voilà, j'aurais voulu y aller cette année, mais... enfin l'année dernière. On a changé d'année. Mais non, j'ai pas fait. Mais bon, je pense que j'en ai deux et c'est suffisant. Voilà. Quand j'ai envie de faire un petit colo de Noël, je pense que deux livres, c'est suffisant. Ensuite, on va aller dans du Christine Caron. Donc j'ai le Fairy and Fantasy. Donc en Grayscale, pareil, elle, vous les trouvez en line art et Grayscale, si je ne m'abuse. Hein. Si je ne m'abuse. Non, il n'y a pas les photos à la fin. Non, ah, si. Ouais, celui-ci, c'est la version line art. Là, c'est la version line art. Ouais, ouais, vous les avez. Donc voilà. Donc celui-ci, j'en ai fait. Il me semble que j'en ai fait, mais pas dedans. Hein. Voilà. Comme d'habitude. C'est imprimé parce que là j'ai peur de ce papier de faire du caca et j'en ai fait une quand même dans celui-ci, non? Celle-ci. Non, je ne l'ai pas fait celle-ci. La mytho. Ah non, c'est Sœurette qui a fait dans celui-ci. Elle a fait celui-ci, Sœurette. Non, je ne l'ai pas fait. Donc non, il n'est pas entamé. Alors ensuite, le Fairy and Fantasy 2. Donc toujours en Grayscale. Est-ce que je l'ai commencé celui-ci? Oui, j'ai fait celui-ci. Ouais, ouais. Celui-là, je voulais le faire. Elles sont trop belles. Oh. Mais oui, il faut que je m'en mette plus. Hein. J'aime trop. J'aime trop. C'est trop beau. Donc oui, j'en ai fait un. Le reste sauf. Ensuite, on a le Fairy and Fantasy 3, toujours en Grayscale. Et dans celui-ci, franchement, je sais pas. Ah si, j'en ai. Non, c'est pas dans celui-là. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Parce que j'ai le trépied qui est juste devant moi. Je peux pas me mettre autrement. C'est voilà, c'est compliqué. Je voulais en faire aussi, mais ouais, je m'étais mis un marque-page pour faire celle-ci. Stoughton, mais
Donc non. Hein. Ensuite, on a le World, le Character Through Worlds and Time. En grayscale toujours. Et là, oui, j'en ai fait. Je m'étais noté celui-là. Mais... Est-ce que c'est les petites? Oui, j'ai fait celle-ci. J'ai fait la génie. Et j'ai fait celle-ci. Ah non, celui-ci, j'en ai fait deux. Hein? C'est bien. C'est bien. C'est trop belle. Hop. Ensuite, j'ai le Girl Weave Poem. Il me semble que c'est celui-ci. Je ne l'ai toujours pas entamé. Voilà, ça me fait peur. J'ai peur de foirer machin. Mais bon, le papier est quand même bien épais. Mais je sais pas. J'ai peur de me foirer, que ce soit moche. Et puis... Ouais. Faut pas avoir peur. Non, on peut y aller. Faut foncer. Hein? Donc oui, il faudrait que je l'entame aussi, celui-ci. Ensuite, le Witches de Coco Wayo. Il est arrivé il y a pas longtemps, celui-ci. Hein. Ah, les petits cadeaux de Noël, qui font trop plaisir. Oh, ils sont trop beaux, mais pareil, il faut que je le scanne, parce que je veux pas risquer... Voilà, j'essaierai de colorier dedans, mais voilà, je préfère scanner avant, et voilà, au cas où. Ensuite, on a de l'ail avec le Meet Monster and Magic. Du Gundrun Hall. Voilà, je m'étais pris celui-ci. Et c'est pas encore entamé parce que pareil, je veux scanner et j'essaierai quand même. Mais bon, le papier, il a l'air vraiment fin, on voit au dos, donc voilà. Mais bon, c'est pas du recto verso, donc. Mais voilà, je me suis pris celui-ci parce que il est très beau. Et je me suis aussi pris le Amazing Air volume 2. Toujours de Gundrun Hall, donc toujours du AI. Et voilà, pareil, il faudra que je l'entame prochainement. Voilà. Ensuite, nous avons le Cute and Friend de Mario Labudec. Celui-ci, j'en ai fait plusieurs, donc voilà, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Est-ce que j'ai les photos? Voilà. Alors, j'ai fait le dragonnier, la sorcière, le chat citrouille. Ouais, j'ai fait ceci et celui-ci aussi j'ai fait. Voilà, donc celui-là il avance plutôt bien. J'aime bien ce pack, le papier est vraiment top. Au début, j'osais pas colorier dessus et finalement, bon, maintenant je le fais. J'ai pas de remords, il est vraiment, vraiment top ce papier. Ensuite, nous avons le Sakwems de 2018 qui n'est toujours pas entamé, qui est dans ma pack hivernale et j'espère que je vais réussir à y aller, à me mettre un coup de pied au cul et à le faire. Je vais peut-être essayer les feutres alcool aussi dessus, je pense. Je vais voir, je vais peut-être faire que du aquarium. Ben, finalement, c'est fait pour, hein, c'est du papier pour. Donc pourquoi pas faire juste au Intense, aquamarker, néocolor, je sais pas. Mais ouais, faut vraiment que je le sorte. Oui. Ensuite, nous avons un Clara Markova, le seul et l'unique. Il n'y en aura pas d'autres parce que j'arrive pas à aller dedans. Voilà. J'ai fait que deux colos dedans. J'ai cru qu'il avait été entamé, celui-là. Je me fais non, c'est pas possible. Alors, j'ai fait celui-ci et je me suis forcée pour le finir. J'ai eu du mal. J'ai même pas fini la page d'à côté. Hein, mais voilà, j'ai fait celui-ci. Je trouve qu'il y a trop d'éléments. C'est compliqué de pas. Voilà. Il y a trop d'éléments. Puis. Enfin, je trouve pas. Là, je vais me faire taper dessus, mais je trouve pas les personnages jolis. Enfin, Ah, sa main, elle ressemble à rien, sa main. Enfin, je sais pas. Ses pieds non plus. Non, je suis pas fan. Ouais, puis j'avais fait celui-ci. Non, j'ai du mal avec le Clara, donc voilà. J'en rachèterai pas. Vu le prix que ça coûte en plus. Ensuite,
passe à du Anna Carlson et je n'ai que ses derniers livres en fait, j'ai que les petits, voilà, les contes, je sais pas quoi. Enfin bon, là c'est l'Axan, en tout cas, la cabane de la sorcière, je crois. Où là j'ai fait cette double page. Et j'ai fait. J'en ai fait un autre. Juste derrière, celui-ci. Je préfère nettement voilà, Anna Carlson à Clara Markova, il n'y a pas photo. Ensuite, le Midnight Masquerade. C'est celui que j'avance en fil rouge, pas en fil rouge, non. Mais avec Claire, avec Princesse, on en fait régulièrement dedans. Donc voilà, j'ai fait ceci. Alors, les petits derniers. Voilà. Donc j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on a le Forest Kingdom. Là aussi, j'ai fait avec Claire. Voilà, ceci. Et c'est tout. Faudrait que je retourne dans celui-ci. La prochaine fois qu'on fait un duo, je vais voir pourquoi on passe dans celui-ci. Changer un coup. Et j'ai aussi le dernier, le je sais plus quoi, la cité vers les étoiles ou... Et je ne l'ai pas entamé celui-ci. Voilà. Il faut que je le fasse. Mais je les aime bien, ces petits livres. Je trouve ça bien. Ensuite, j'ai le Flower and Sweet Girls. J'ai fait celui-ci. Et celui-là. Par contre, j'avais pas fini la petite fille, je crois. Ouais, j'ai pas fait la deuxième petite fille que je devais faire. Faudrait peut-être que je la fasse. Mais voilà, pareil, le papier, il est pas ouf. Voilà. Et le dernier hors Disney que j'ai dans ma collection. Sauf erreur de ma part, si j'en ai pas oublié quelque part. Normalement j'ai regardé, normalement c'est bon. Le Dunkle Bunt, voilà, que ma soeur m'avait offert, il me semble que c'est ma soeur. Mais il est pas entamé encore, voilà. En dessous moi, il est trop beau. Et j'ai mis le dernier qu'elle a sorti, le second qu'elle a sorti, je l'ai mis dans ma wishlist. Voilà. Un jour j'aurai les deux, mais il faut que je les avance. Hein. Mais il est trop beau, donc... Voilà pour le dernier livre. Je reviens vers vous, j'en ai oublié un. Le petit carré boule de poil. Ah oui, il est rangé avec mes petits carrés Disney, donc forcément. Je l'ai oublié, je suis désolée. Mais voilà, un de plus et qui n'est pas entamé. Voilà, encore un à rajouter à ma liste. Oh là 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 là. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'en ai oublié un autre. Le Bodoni abécédaire qui est vierge, voilà. Il est vieux celui-là, hein. Il est vieux, on le sait, il est vieux, il est. Mais il est toujours pas entamé, voilà. Voilà, il est comme ça, voilà. Mais il est vieux, mais il est toujours. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Je vous l'ai montré, donc. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Hein? Hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, il s'en va celui-là. Allez, il s'en va. Ciao. J'ai pas compté du coup. Mais je le ferai au montage, je pense. Comme ça, on va pouvoir mettre un chiffre sur ma fameuse collection de livres à colorier. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour la suite, pour la partie Disney. Maintenant, il faut que je range celui-là. Hein ? Des bisous, à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si vous avez quelques livres en commun avec moi, si vous voulez qu'on se fasse un petit colo en commun. Il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous, à bientôt. Ciao !